you guys, on est arrivé au Airbnb, puis là je voulais juste vous montrer un petit haul de ce que j'ai acheté. Le truc le plus excitant, c'est que j'ai enfin trouvé mes Dickies 874. Ensuite, c'est juste de la bouffe. Ils l'ont mis. C'est jujube, comme genre du jus à l'intérieur, que j'avais vu une annonce, puis le petit graphique était trop cute, donc j'ai dit je vais l'acheter. Pardonnez-vous. Des pancakes Dunkaroos? Oui, merci. Des Dunkaroos. Un pour moi, puis un pour mon amie Laurence. Des Frosted Mini Wheats, mais au cinnamon bun. Thank you. Yeah. Puis ça, The Pink Stuff, parce que si vous regardez TikTok, que ben Clean Talk, vous savez que c'est partout. Donc voilà, on se prépare pour sortir à Dumbo. And yeah! C'est avec 4 heures de sommeil que nous partons à 7h30 le matin pour aller à notre cours de boxe au Rumble Boxing, un de mes goals. So, yeah, I look hideous. Let's go! Let's go! Je vais vous expliquer rapidement la boxe. Sérieux, j'ai vécu le rêve. Ça a toujours été mon rêve d'aller au Rumble et là, je l'ai réalisé. Je vais pas mentir, j'ai vécu une petite émotion. But I didn't cry, là, comme dans. Mais oui, j'étais vraiment heureuse. C'était un bon workout. C'était vraiment bien organisé. C'était fou. Il y avait comme deux stations, qu'on pourrait dire, ben deux sides. Puis le premier side, c'était où tu avais comme les boxing trucs. Fait que là, tu faisais ta boxe. Puis après ça, ça disait « switch side ». Puis tu devais faire plus le workout avec des poids. Puis c'était vraiment bien fait. Moi, je comprenais jamais ce que la fille, elle me disait. Mais par chance, il y avait genre un écran. Fait qu'on pouvait bien voir là. Je suis vraiment fière d'avoir réalisé mon rêve, d'avoir vécu cette expérience. Et là, il fait beau. Puis on va passer une belle journée. Soaking wet. Everyone for themselves. J'ai piqué un sprint, genre il y avait des clôtures, j'ai skippé ça, I didn't care. Je me suis garochée proche du mur parce qu'il y avait genre un espèce de petit cover. Moi j'étais accroupie comme ça. J'avais
mes lunettes, ma caméra protégée. J'étais proche de gens, genre, de même. Là, tout le monde était dans la même pensée que moi. Tout le monde était comme, on rentre, ok? Fait que là, tout le monde était en tapant. Tout le monde est rentré vraiment facilement. Il y avait un gardien de sécurité qui essayait de, genre, garder la sécurité, man. Il a vraiment bien géré. Il mettait son premier, il était genre, stop, go, stop, go. Le monde qui checkait les sacs, là, il était juste, il renaît ça. Moi, j'ai pas eu à checker, j'avais un mini sac. J'ai pu rentrer vraiment bien. Je vous ai attendu full longtemps. J'étais comme, ben sèche, moi, à l'intérieur. Je te voyais, là. Vous étiez genre une ligne de monde qui était normalement, ça devrait faire comme 3-4 personnes. Vous étiez toutes genre collées, genre. J'ai été au début, tout une table avec les autres. Après ça, on peut à l'intérieur. Quand on a la chance, j'ai vu. Moi, j'étais genre, oh mon Dieu, qu'est-ce que je fais? Là, j'ai vu plein de monde. Parce que moi, j'ai vu les gens à l'aide. Je me suis rajoutée à la pointe. J'ai vu plein de monde. J'étais là, en sang. Juste avant, il y avait les vannes. J'ai monté sur un van. Je me suis rendu compte que mon égo, il est comme à terre, comme mort. J'ai attendu là comme 30 minutes. Et après, les deux autres filles que je connais pas, on était comme Next stop, Avenue of the 69th Street.